Salut les rétrofans! Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les clear cards de Enski. Alors oui, encore un peu de New Gen. Petite boîte que j'ai achetée au G-World. Alors, donc il y a 20 paquets dedans. Et dans chaque paquet, il n'y a qu'une seule carte. Donc ça fait pas beaucoup de cartes tout ça. Donc 2000 yens la boîte, ça fait 200 yens la carte. Bon, ma foi, c'est New Gen. Je vais ouvrir 19 paquets. Comme d'hab, je garde un paquet pour la postérité. Un booster. Allez, vas-y. On va essayer de pas tourner. Allez, première. Allez, un bon truc direct, comme ça on pose des conditions. Ah bah tiens, Vegeta direct. Un petit zoom. Voilà, donc assez dur, effet de transparence. Mais coin quasi rectangulaire, un poil arrondi, mais quasi rectangulaire. C'est presque des trading. Donc la première, ouais, c'est là. Ah, Yamcha, qui est beau. Le toucher n'est pas inintéressant. La maquette est assez simple. Bon, après, visual new gen, évidemment, normal. Donc, oui, il n'y a rien du tout dans le paquet à part la carte en fait. On peut avoir une petite checklist ou. Non. Autocollant, un truc, c'est vrai. Bon. Ah, petit effet d'ouvrir en bas. Ouais, mettre là. Alors, à combien d'années hein? 1, 2, 3, 4. Ah, oh, deux d'affilée, c'est pas mal. Voilà, vidéo réalisée de 5 trucs, je vais dire. Ça. Freeza. Je montre l'effet un peu transparent, ça quand même. Du coup, sur code noir, ça reste pas bien. Et là, on voit bien qu'on le voit à travers. Avançons, avançons. Ah!
sympathique quand même. Malgré le prix un peu légèrement prohibitif, je trouve quand même. Alors je sais pas du tout. Pas la moitié peut-être. Bon, il y a du bon et du moins bon. Ouais. Ce prix-là n'est pas super. Combien il en reste? Petit point. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben voilà. On est arrivé pile à moitié. Parce que j'en ai mis un de côté que je garde fermé. Allez là, du lot. Ah ben tiens. Quand on parle de lourd, quoi. J'aime pas. Alors en termes de répartition, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Là, je jette un petit coup d'œil sur la boîte. Donc il y a 30 normales et 6 avec effet golden en bas. Donc, j'en ai topé 3 déjà. En termes de stats, je sais pas trop combien il est censé y en avoir par boîte. Je sais pas si je suis bon, si je suis pas bon. Ça m'a pas l'air dégueulasse quand même. Bon, il y a des poses sympas, il y a des poses moins sympas. C'est pas mal. Allez, allez, il me reste quelques-unes encore, j'ai encore de la chance de sortir des bons trucs. Pour le moment, me semble-t-il, je n'ai pas de double. Ce qui est correct. 3, 4, 5, 6, il m'en reste. Elles sont un peu plus sympas que ce que je pensais, j'avoue. Voilà. Je pensais qu'elles sont un peu plus denses que ça, ces cartes. Mais c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Allez, on est obligé de les mettre par-dessus. Hop. Alors quand vous aurez au ciseau, faites attention à ne pas couper la carte, ça serait complètement con. Plus que 3. Alors vous avez vu, j'ai chopé les trois dorés dans un intervalle assez court, c'était assez bizarre. J'ai plus rien depuis. Donc au final, ça a l'air assez dur à trouver en fait. Allez, deux dernières. On va choper au moins une dorée. Allez, deux dernières, je le sens bien.
La dernière, c'est toujours la bonne. Allez, allez, petit gris-gris là. Petit gris-gris. Ah, et voilà, vous voyez, le gris-gris, ça marche super bien. Voilà. Super. Voilà. Donc encore une fois, réalisé sans trucage. Quand je fais des gris-gris, vous voyez, c'est efficace. Alors, est-ce que je vais oser faire un gris-gris sur celui-là et choper encore une? Ça serait vraiment pas mal. Allez, allez, allez. Et non. Donc, petit récap, j'ai ouvert 19 cartes, donc. On va essayer de ne pas les rayer, parce que je pense que ces cartes en plastique, là, elles sont assez sensibles à la rayure, en fait. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc voilà, sur 19 cartes, j'ai eu 4 bourrées. A savoir que dans la collecte, il y en a 6, semble-t-il. Voilà, c'est ça. Voilà la répartition donc. 30 normal et 6. Donc j'en ai eu 4 sur 6 avec une boîte de 19 en fait. Ce qui est carrément très bon je pense. Voilà. Et voilà les rétrofans et les new gen fans aussi, parce que là c'est vrai que c'est un peu des new gen, c'est dans leur vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z.